Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur La Rose FR pour cette nouvelle semaine déjantée de folie sur World of Warship. Bon, ça se voit à ma voix que je n'y crois pas du tout. Désolé d'être médisant et un peu sarcastique. J'espère que vous avez passé un bon week-end en tout cas. Bon week-end avec tous les streamers, bon week-end avec votre famille, vos amis, tous ceux qui vous sont chers. Et que vous avez pu faire de belles choses réjouissantes et sympathiques. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit. Comment dire? Une petite progression du bureau de recherche, parce que là, maintenant, on est quand même coincé au tiers 9. On a 3 tiers 9, un tiers 8, donc là, ce serait bien d'avancer, de mettre un peu le turbo dessus. Même si c'est le tiers 9, on sait que c'est un peu la traversée du désert. Du coup. Du coup. Voyons en tier 9 ce que nous avons. L'Ibuki, 102 000, il m'en manque 136 000. Le rune, il m'en manque énormément. On va faire une partie de rune pour monter un peu. Voilà. Le Saint-Louis, c'est pas mieux que le rune, c'est même pire. Et le Richelieu, bah tier 8, il va falloir. Mettre le paquet, comme on dit, mettre le turbo. Serait cool, c'est que fin de semaine, on puisse avoir 1 à 2 tiers 10. Ce serait plutôt cool. Ah, et requin blanc qui est en face, un KWX. Le clan Across. Alors, en face, on a Man-Man, Cossack Yugumo. Ça va, double Buffalo, ça peut faire chier. Kronstadt, ça va, c'est pas trop dangereux pour un rune. Bon. Allez, on va. Oh les cœurs. Salut, comment vas-tu? Sashi. DJ Sashi, comment vas-tu? Cheers à toi aussi, my friend. Dab on haters. Je mettrais bien de la musique, le problème c'est que les musiques que j'écoute, elles sont copyrightées. Et j'ai pas envie que la chaîne ait des emmerdes à cause de ça. Dans ce qu'on peut trouver. Du jazz. Bien ça le jazz. Monter un poil le son. Voilà. Ok, c'est cool. Ah, pourquoi j'ai. Pourquoi je mets de la musique quand je suis en train de faire un demi-tour? Pourquoi le Kronstadt t'a visé trop haut?
torpille par l'arrière. Par contre, le King George là qui pousse comme ça, ça me plaît pas forcément beaucoup. Torpille à bâbord. En tout cas, la smoke du Benham, gageons qu'elle est royale. Moi je vais remonter nord. Je vais remonter nord. Et je vais essayer d'aller prendre le contrôle de B par l'autre côté. Je suis trop lent pour redescendre. Faut que je trace par le côté. Que je me remette un peu au piano aussi. Que je reprenne mes grilles d'accords. Torpille à tribord. Heureux, comment ça va, Guérande? Heureux. Salut Inoture, comment ça va? Salut Nika. Salut Steph Quick. Et bah si tu t'as carré que tu l'as gagné, c'est l'essentiel. Leur Yugumo, il slay tout le monde, ça commence sérieusement à me gonfler. Et toi avec ton camo type 59. Couché. Couché de Buffalo. Je comprends pas ce Vauclin, pourquoi il continue à tirer sur un Atago alors qu'il a 1800 PV. 1800 PV versus 25 000, c'est perdu, c'est un duel perdu, voilà. Voilà, c'est un duel perdu, surtout s'il y a Yugumo qui est là.
Ouais, mais devoir tuer en fin de game un KTM en col vert, je m'en serais passé. Et heureusement que le Shima à la fin était pas bon et que j'ai pu le sortir facilement. Et les gens pleurent parce que les premium improve your matchmaking. Ouais, si la Yowa il arrive à la rame, c'est genre juste GG. Oh dommage. Ouais, là il s'est fait des miettes, c'est un peu chiant. Ça aurait été intéressant qu'il arrive à prendre le RAM. Ah d'accord, ok. Oh fuck. On a une brèche en dessous de la ligne de flottaison. On prend l'eau rapidement. Problème résolu, chef. Pas où ils en sont sur le Cosaque. Ah bah c'est bon. Il suffisait juste de demander. Au niveau dégâts, c'est pas un gros. C'est pas une grosse game pour moi niveau dégâts. Clairement, on va focus l'Izumo. L'Izumo est beaucoup plus dangereux. Là, on a une belle position de crossfire, c'est cool. Un peu derrière la machine. Pas trop ce qu'il fait. Il fait des coups d'accélérateur, de frein, des coups d'accélérateur, de frein, c'est bizarre. Mais c'est pas faux ça. Mais bon, là je pense que la AP elle va pas être RNG dépendante. Genre pas du tout. Genre pas du tout. On sait que Yagumo est sur B. Ah, j'ai raté le Kraken! Non, peut-être pas! Oui, non, oui, oui! Non, le pont blindé à 50 mm! Non!
Salut Charlie, comment vas-tu? Et je t'en prie, Nilok. Je t'en prie. Non! Non, j'ai raté le Kraken. Dommage. Rate of Fire. Je joue pas range. Ça sert à rien en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Charlie? Hello Cupras, comment vas-tu? Oui, mais je pleure, mon Kraken, oui. Oui, il a bien joué le Martel. En fait, on a vraiment eu raison de revenir tous les deux. On a quand même fait une belle opposition de notre poids de corps, c'était plutôt sympa. Ça nous a permis d'avoir plus de map contrôle sur C. Et surtout, on s'est vraiment mis dans une position de crossfire. L'Atago a fait n'importe quoi, genre il aurait vraiment dû attaquer le Martel à la HE. Et rester. Il avait une position où il pouvait sangler en fait par rapport aux deux. Pas mal ce qu'on a fait. Peut-être que le Dugomo irait chercher B en fait. Il torpe le Massa. Non, même pas. Bon, là t'es mort, le Dugomo, t'es mort en faisant ça. Waouh. T'es mortibus. Je pense que je vais prendre la reine sur le Saint-Louis quand même. Il me semble pas trop. 16-7, c'est quand même trop short. N'hésitez pas dans le chat à me mettre des warnings quand il sera 18h, enfin 17h45, que je coupe pour laisser la place à Manimo. Sinon, il va pas être content. Ouais, c'est vrai que le Saint-Louis il est space à jouer. Ce qui me fait chier avec le Saint-Louis, c'est que son rudder pète tout le temps, son gouvernail pète absolument tout le temps et c'est insupportable. Salut Stéphane, comment vas-tu? Moi, j'avoue, j'aime pas le Saint-Louis en fait. Je préfère amplement le. Voilà.
je préfère ce navire-là. Non, je préfère plus sérieusement l'Ibuki, que je trouve bien meilleur. Plus furtif, plus maniable. Grosse puissance de feu, bonne torpille. Armure qui finalement est pas si dégueu si on va pas se frotter avec face à des cuirassés. C'est pas si dégueu. On va tout de suite faire demi-tour. Ah, moi au contraire, j'adore le HK, je trouve tanky. Enfin, tanky. Assez tanky. Assez tanky. Grosse puissance de feu du HK, c'est. Moi j'aime bien. Voilà. Merci la République. Ça, ça crame déjà, c'est pas mal. Ok, on va passer sur toi. Je suis bien là. Et comment un Amagi peut mourir aussi vite? Mais est-ce qu'on peut m'expliquer? Ah, c'est retour du Jean-Michel Brossaille du lundi, c'est pas possible. Et on a eu un poète qui a pouetté Nikita 10864. Merci à toi pour le follow mon ami, bienvenue sur la Vos FR. Oui, ça me va comme explication. Tout en moins je m'en contenterai. Et genre le CAG, non mais. Genre, d'où, dans quel monde un CAG peut faire ça en fait? Bon, cette partie va être un stomp. L'équipe ennemie a pris l'avantage. JK qui est derrière moi qui tire sur rien quoi. Zao qui va torper un Musashi. Ah, j'aurais tout vu ce gars.
J'aurais franchement tout vu ce game. Salut Nono. Après Nono, comment vas-tu? Logique. Bon, l'avantage avec les obus de North Carolina, c'est que vous avez généralement le temps de les éviter. Bon, on va essayer de passer un peu le middle. Passer un peu middle, ça peut se tenter. Vous savez qu'en plus ils sont en train de la retourner la partie. Salut Froldman, comment vas-tu? Descendre du coup. C'est quoi le DD qui leur reste, quitte à caser? Le Yugumo, il nous fait la game de sa vie là. Le Yugumo, mais ce Yugumo, il nous fait la gamme de sa vie. Boost des moteurs désactivé. On va essayer d'aller se faire ça, j'ai pas d'hydro, mais ça peut se faire. Désolé.
Mon dieu, ce retournement de situation. Enfin, du coup, je vais aller cap, en fait. Je vais aller cap pour l'XP. Torpille par l'arrière. Ah, bah c'est super. C'est toujours excitant quand on fait le premier Kraken. GG à toi, en tout cas. Et moi, tu vois... Partie d'avant, je viens d'en louper un, malheureusement. Là. Vous voyez à quel point le Smolensk est en train de découper le Yoshino, genre. Salut Rem, comment vas-tu? Croiseur ennemi détruit. Tant pis, j'aurai pas la cape. De retournement de situation, le Yugumo. Oh là là, le Yugumo. Ah, je suis pas si mal classé en fait. Let's go pour l'Ibuki. Sympa ce petit matchmaking, ça fait plaisir. Ah, on a toujours nos deux Buffalo en division. Allez, en avant toutes. Après les pavillons, t'en gagnes beaucoup avec les missions, dans les conteneurs spéciaux, etc. Pilotage automatique désactivé. Avec la petite musique, là, ça ferait. Et maintenant, nous allons chercher l'Ibuki ennemi, mais il n'y en a pas. Ah bah si, en fait, il y en a un. Leif Christensen, tu vas être mon némésis. Te voilà, Leif Christensen. Est-ce que tu es prêt à mourir? Évidemment.
que tu es prêt à mourir. Pas assez de lead. Pas grave, c'est le tir de jauge. Ça va être un ebooky joueur. J'aime bien ce que fait la Katsuki. En revanche, s'il se retrouve face à un Ognevoy ou un Yugumo, ça va moins bien se passer. Bon, l'Ognevoy est de l'autre côté, donc face au Yugumo. Et voilà, la FQ Sansen. Je ne t'ai jamais touché, mais tu es mort. C'est mon influence. Aphrodisiaque. Je sais pas, en fait. Je sais pas du tout. En fait, c'est un délire personnel, pas drôle. On n'a qu'à dire ça. On va qu'à dire que parce que je jouais l'Ibuki, il fallait que je tue l'Ibuki ennemi, quoi. Bon, maintenant, il va peut-être falloir que je commence à faire du dégât, quand même. Notre équipe a pris l'avantage. Ah non, 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 ça va pas être bon, par contre. Et que je vise mieux. Non, il y avait aucune raison. Oh putain, mais... Ah, le karma, il me punit. Bon, cette partie est un véritable stomp. Qu'on se le dise. Tirer un peu sur le Yugu. Là, si dans ce cas, il pouvait nous mettre un petit radar. Pas trop où est le Yugumo en fait. On en a pas un là chez nous qui veut mourir? Pourquoi il évite mes tirs et il se met bien pour se prendre les tirs des autres. On s'est amusé hein, cette partie. 10 000 de dégâts, franchement, on s'est fait plaisir. Et oui. Et oui, Froidman, oui, toujours, évidemment. C'est le problème. C'est que dans ce jeu, t'as toujours maintenant une équipe qui est plus forte
qui est littéralement plus forte qu'une autre en fait. Le matchmaking n'est absolument pas équilibré. Et du coup, bah, ça donne des games de 10 minutes. Et non, Galran, ils ont pas du tout, pas à ma connaissance, en tout cas, ils ont pas nerf le... À ma connaissance, ils ont pas nerf le Saint-Louis, non. À part en reload, il a pris une seconde de reload en plus, récemment. Mais ça, c'était quand il a reçu le reload booster. Ah non, même pas. Minutes 30 de game qualif. Ah ouais, c'est pas beaucoup quand même. Voilà. Là, ça va être intéressant sur cette map. Non, je sais pas du tout. Peut-être ton build, Galran. Bonne chance à tous. Mais en tout cas, moi, y a rien à ma connaissance.
est en état d'alerte normale. Thank you.
tire sur la cible désignée. Négatif. J'ai besoin de données de reconnaissance.
On va pouvoir remonter du coup. J'ai quand même réussi à avoir l'Izumo, c'est cool. On va essayer d'aller chercher A, éventuellement sortir le Friesland si possible. Bien, tu m'as vu là, Yoa. C'est cool, bravo. Adieu. Pas facile. Pas facile comme partie. Malheureusement. Bon. Ça va faire une petite Henri Richelieu quand même. Être fier de la marine française. Richelieu que je retrouve avec beaucoup de plaisir en fait. Vraiment, le Richelieu, je trouve que c'est vraiment un très bon cuirassé. Je l'avais détesté quand j'avais débloqué, mais en fait, je ne savais pas comment le jouer. Et quand on apprend un peu à le jouer, c'est quand même super cool. En plus, matchmaking favorable, c'est super. Quoi de mieux ? Bon, du coup, on va aller tout droit, même si je suis pas fan de ce move. Avec encore un petit CV, ça fait plaisir.
Du coup, là, avec le Richelieu, on va vraiment essayer d'aller se mettre dans une zone par ici et prendre des angles sur ce qui va arriver de par là ou tanker sur ce qui arrivera par là. C'est un peu la mission. This is our mission. Tempête massive en approche. Enfin, tanker, c'est recevoir des dégâts en lieu et place de ton équipe. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, c'est le rôle d'un cuirassé. Pour protéger notamment tes croiseurs. Il sait pas trop dans quoi il s'engage à mon avis. Ah trop. Dommage trop. Toi, tu peux nous faire l'honneur de mourir, le Scors, le Shors. Merci. Voilà, on félicitera le Shinonome, resté broadside face à des torps. Bah, c'est un DD, c'est dans une smoke. Original. Dommage. Bon, alors là, je sais absolument pas où aller. On a aucun spot, rien du tout. Ça va être super. Plus un Nuremberg qui a farmé depuis son île. Puis, il va falloir pousser. Ah, dommage. C'est honteux.
Elle était où, viens. M'en fous, c'est toi que je veux là ce soir. Oui, c'est toi que j'aurai. Une overpay. Encore une équipe qui... Ça a bien blindé la smoke, mais après, elle part pas si bien. Bon, tu meurs. Voilà, tu meurs. Berg, c'est cool. On va essayer de se faire la tago. Et de caper aussi, c'est important. Tout va bien, pas de panique. Waouh, il nous meurt de peine. La tago est quand même super bien blindée. Et il a un agent de soucement de blindage assez complexe et ça se punit pas aussi facilement qu'un Mogami par exemple. Ce qui est cool, c'est qu'on a le chino nommé en plus qui est revenu au milieu. Faites que je sorte pas, je vais sortir. Oh là là, c'est chiant. Génial. Et c'est super, j'ai le Shinonome qui est juste à côté de moi. Super. Super la game. Super. Ah ouais, non mais elle pue là. C'est du Tarama avarié cette game. Salut. Six overpen. Oui mesdames, messieurs, 6 overpen sur un attaque au broadside. Ah bah quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, je pense qu'on peut gager ensemble que ça ne veut vraiment pas. J'ai réparé, j'aurais jamais dû réparer, ne faites jamais ça. C'est passe. C'est lourd. L'ennemi est sur le point de l'emporter. Qu'est-ce que c'est de lourd, ouais. Je ne me rendrai jamais. Oh, ce torbit, cet enchaînement de torbit que je vous fais en direct live sur la WoZ. Ah non. M'en fous, je l'aurais eu. M'en fous, je t'aurais eu. Bon, ça c'est des équipes à sens unique, hein.
C'est sympa quand tu les joues, mais quand tu les... Mais quand tu les as avec toi, c'est pas marrant, malheureusement. Ok, bon, on va faire une courte pause de 2 minutes. Le temps que j'aille chercher mon chargeur, que j'aille faire une petite pause pipi. Et on revient juste après pour de nouvelles aventures. A tout de suite! Re. Ils ont vraiment subi la gamme en fait. C'est désolant. Tier 10, tier 10, le grand tier 10, le magnifique tier 10. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'on a? Yoshino, ça se punit facilement. Cital aussi, Martel aussi. Kremlin, ça va être super chiant. Shimashima.
On va pas trop s'avancer, ça pourrait être très dangereux. Ah, encore ce cyclone. Je sais pas ce que vous en pensez de ce cyclone là, cette espèce de bulle qui se déplace. Je sais pas si vous appréciez ça ou pas, moi perso j'apprécie pas du tout. Je trouve ça vraiment pas fun. Et je trouve que ça apporte rien. Encore le cyclone basique qui réduit la portée à 8 km, ça c'est pas mal. Mais autant ça, je trouve que ça n'apporte vraiment rien du tout. Ouais, là j'ai une dispersion absolument horrible. Ce qui est top. Non plus. Et en plus, sachez que ça va arriver en clan battle. Ça va arriver en bataille de clan. Overpen sur Roma, évidemment. Et salut Guin, comment vas-tu? Ça roule, bah écoute, ça roule. C'est pas beaucoup de résultats, mais ça roule. J'ai passé donc devant lui. Est-ce que lui, il pourrait se prendre une petite punition? Ouais. Très petite, hein, la punition, quand même. C'est bon, lâche-moi. Puis il faut que je me barre, pas le choix. Problème résolu, chef. On veut du spot, on veut du spot. Et ouais, mais je me fais littéralement rouler dessus. Hein. Ouais, quand tu vois où est mon Yamato, c'est dramatique. Je
3 overpan. Je peux pas passer en HE comme sur un Kremlin de flanc. Enfin, ça serait ridicule. Là c'est mieux. Torpille à tribord. Bon, prochaine salle, elle part sur Yoshino. Non, prochaine salle, elle part sur le Shima, excusez-moi. Oh là là, mais il m'explose mes tourelles. La principale sérieusement endommagée. Non, en fait, c'est bon. On va mourir. Prochaine salle, on disait sur le Yoshino. Oh, encore, il me la pète la tourelle! Mais c'est pas possible! C'est pas possible! Je t'aurai. Problème résolu, chef. Peine sans peine avec zéro dégâts, on aime. Voilà, enfin. Allez, aussi tal. Enfin. Boost des moteurs désactivés. Le Kremlin, il a dû faire 40 000 de dégâts. Il a juste fait du beau tanking. Mais il a tanké. C'est ça, tanker. C'est ça, le pouvoir de nuisance du bébé qui tanque. Petite cita, ça fait toujours plaisir. Ah, j'ai mal visé, je pense. Non. Même pas. Même pas, ça allait. Problème résolu, chef. Ah, et lui, il est dans le cyclone. Salut Alain Beaumont, comment vas-tu?
Et on a encore un pouette. Un pouette. Qui c'est qui a pouetté? Je ne sais pas qui c'est follow. Malheureusement, j'ai mon retour qui a bugué. Malheureusement, je ne sais pas qui a follow. Mais en tout cas, merci à toi, celui qui a follow. Merci du fond du cœur et merci de ton soutien à la chaîne. Ça fait plaisir. La victoire est à notre portée. Je l'ai échappé belle en tout cas. Genre il est en train de reculer. Oh j'aurais pas dû viser là. Oh j'aurais tellement pas dû viser là. Après, en fait, quand tu veux tanker, il faut tanker de manière intelligente. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus mourir parce que tu tankes. Tu vois? Il faut que ça soit fait de manière intelligente. Ah, il m'a brain avec sa fumée. Ça me coûterait combien là de prendre une as? 67. Je vais en faire encore une en Richelieu. Après, on pourra débloquer l'Alsace. On pourra débloquer le Saint-Alsace et son module de portée. Ça fait longtemps que j'ai pas joué d'ailleurs l'Alsace. Oh, regardez comme c'est mignon. Je démarre du port. En fait, il faut que tu... Frontman, il faut en fait que tu arrives à trouver un équilibre entre prendre des dégâts, en infliger et ne pas mourir. Donc ça implique de bien gérer ton consommable pour réparer les feux et les inondations, et de bien gérer tes réparations. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas voir, je t'expliquerai plus en avant dans la partie, mais en fait... Quand tu perds de la santé, t'as une espèce de barre grise transparente qui t'indique sur combien tu peux réparer. Et en fait, il faut à chaque fois que t'essayes de réparer, quand la barre grise, ici, est au maximum. C'est-à-dire que si t'en as un tout petit peu, ça a rien de réparé. Il faut vraiment réparer quand c'est au maximum. Évidemment, toujours jouer avec des consos premium. Ça, c'est le B.A.B.A. Et voilà. Best experience in World of Warship is to listen to Bismarck by Sabaton.
Les gens, ils ont quand même une réserve de sel qui est impressionnante. Trop. J'y visais trop, dommage. Quoi, le DD à Tsuharu, ça va, c'est pas super dangereux. Dommage, dommage. En tout cas, ça farm hein, là. Ça tire. Hein. Douce Mogami. Ah, pourquoi on le spot plus? Ah, il va s'en tirer. Super, super l'Atlanta, bravo. Voilà, j'ai envie de déborder complètement extérieur. Allez hop, vas-y. Pas pour ça. Salut toi. Oh, deux boons. Deux boons. Oh là 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 là. Ils sont tous là. Bon, je me casse, c'est bon, j'ai compris, je me casse. Je me casse, c'est bon. Je m'en vais. Je m'envoie. Problème résolu, chef. De peine. C'est Dunkerque qui est littéralement en train de me déchirer à la AP. Depuis tout à l'heure. Tu vois, là. Froid, en fait, c'est vraiment le meilleur moment pour réparer pour moi. Parce que ma barre, là, je sais que je pourrais pas avoir plus de. De potentiel de réparation. Voilà, sauf que lui, évidemment, il est sur moi aussi, ils sont tous. Arrêtez de me tirer dessus. Stop! Là, je suis plus repéré. Ouais, nice. Boost des moteurs. Tranquillement se réparer. Et salut, Wissit, comment vas-tu? Cher Alex aussi, salut, comment vas-tu ?
Comment allez-vous? Joli. Très jolie double frappe. Et maintenant, on va pouvoir faire demi-tour et aller travailler sur A. Finalement, même si mon move était un peu stupide, sur le fond, il n'était pas inutile parce qu'il a permis à mon équipe de bien se repositionner et de revenir. Et moi, ça va bien, oui, si, t'écoutes, tranquillou. Voilà, chemin à la grappe, Dunkerque. Et puis, c'est bien. Bon, la deuxième compétence, je la mets pas, en fait. Pour recharger les consoles plus vite, je la mets pas. J'y vois pas un intérêt absolument. Je vois pas que c'est pas extrêmement enfin super. Dans la cité du Bismarck. Non, je mets pas le chargement des obus non plus. Ah, poussée d'adrénaline. Si, celle-là il faut la mettre. Oui, bien sûr. Celle-là il faut la mettre, évidemment. Oui, celle-ci, évidemment, il faut la mettre, bien sûr. Elle est primordiale. Tac. Tu pensais que j'allais reculer derrière? Eh ben non. Qu'est-ce qui fait notre lion là avec le Richelieu? Alerte incendie. Merde, plein dans la faiblesse. Ah non, dommage. Un enseignement SVP, je suis noob, je ne sais pas comment jouer l'avion avec le Wyoming, j'ai un avion en 4, soit Y. Comment le joue-t-on? Je te le montrerai à la prochaine partie quand j'aurai l'avion. Ah, ils vont réussir à l'avoir le Richelieu ou pas? Dommage. That was a fail. Big fail. Désactivé.
t'arrives pas à le déclencher. Je pense que tu le déclenches, mais tu comprends pas en fait l'effet de l'avion. En fait, quand t'appuies, je t'expliquerai. T'inquiète pas, je t'expliquerai. No worries. C'est un avion de reconnaissance. Je t'explique dès que je termine la partie, je t'explique. J'aime pas quand les gens font de la résistance comme ça. C'est pas marrant. Boost des moteurs activés. Toute la partie elle est gagnée. Et elle est perdue pour eux, donc autant arrêter de faire durer le truc inutilement comme ça. Ça vient juste après. Je l'ai volé, ça t'aide à la capture. Enfin, tu auras un peu plus d'XP. Voilà. Nice. Bon, alors on va rechercher. Alors avant de te répondre, je vais rechercher et équiper l'Alsace. Normalement, c'est bon. 18 000, j'aurai assez pour rechercher à minima la range. Voilà. Par contre, qu'est-ce que ça coûte en argent, ce bureau de recherche, mon dieu. Pareil à couvert. Hop. Bon bah c'est cool, maintenant on a que des tiers 9. Poupoupidou, on a que des tiers 9. Là,
Alors. Ah, le snack et chasseur, c'est super. Ah, c'est la coque qui donne un avion de reco. Alors, je t'explique. En fait, sur tes avions, sur tes bateaux, pardon, tu as deux types d'avions. Tu as le chasseur et l'avion de reconnaissance. Le chasseur, ce qu'il va faire, c'est quand tu vas appuyer dessus, et on a un pouette, excuse-moi pour le pouette qui a pouetté Pizarman 13. Merci à toi pour le follow, bienvenue sur la chaîne mon ami. Alors, je reprends. Le chasseur, en fait, quand tu vas le déployer, il va prendre en chasse tous les avions, notamment des porte-avions, qui vont vouloir attaquer ton bateau, ou non. Mais essentiellement, s'ils veulent attaquer ton bateau. Il va les prendre en chasse et il va les détruire. C'est ça le rôle du chasseur. L'avion de reconnaissance, en fait, il va avoir deux effets. Premièrement, il va augmenter ta portée. Donc c'est une augmentation de 20%, ce qui n'est pas négligeable. Et tu vas avoir une vue de dessus. Donc quand tu vas appuyer sur Y, en fait, tu regardes, ta caméra, elle va passer d'une vue horizontale à une vue semi-horizontale, entre verticale et horizontale. En fait, quel est l'intérêt de cette vue, outre l'augmentation de portée, c'est de pouvoir aller chercher des navires qui sont derrière les îles ou dans leurs écrans de fumée. En fait, ça te permet de viser avec plus de précision, soit derrière une île, soit quelqu'un qui est camouflé dans un écran de fumée quand il tire. Ça te permet d'aligner ta réglette beaucoup plus facilement. Sachant que l'avion de reconnaissance, quand tu vises avec, il faut viser un tout petit peu plus bas que ce que tu viserais naturellement avec ta vue horizontale, donc sans l'avion de reconnaissance. Pourquoi ? Parce que les tirs ont une propension à partir légèrement au-dessus. Donc ça te permet de retrouver, de compenser. Voilà, voilà. Bon, bah du coup, passons à l'Alsace. Non, non. Oui. Ah, je t'en prie, c'est normal. On s'entraide, comme je dis toujours, on s'entraide. Ça, c'est fait. Amélioration et conso premium, c'est fait. Non, ensuite, on va mettre ça. Tac. Ça. Ça. On va mettre ça. On va mettre ça. Et on va mettre ça. Ensuite, en camo. Et ben en camo, on va mettre ça. Reviens vite pour avoir ta facture. Ouais, mes honoraires sont très chers. 4000 euros la seconde. 4000 doublons la seconde. Donc là, ça te fera 30 000 doublons. Tarif d'amis. Voilà, bon, on va pouvoir partir avec l'Alsace. J'ai pas recherché la coque, j'ai recherché ça parce que partir de base avec 18 km de portée. Voilà. La coque après nous apportera juste un peu plus de PV. Mais bon, on survivra. On survivra sachant que j'ai de l'expédie plus avec tous les x100, les x200, les x4000, 5000. Y'a pas de soucis, ça ira bien. Allez, c'est parti. Mon kiki joli d'ami, mon amour de rêve, blabla. L'Alsace, je l'avais adoré avant qu'il se fasse nerf et je l'ai plus joué depuis qu'il s'est fait nerf. Donc, on va voir ce que ça donne. Ouais, ouais, c'est ma branche en route de Regrind. Avec les croiseurs japonais, allemands et français, c'est ma branche de Regrind. L'Alsace, je pense que je vais le saigner parce que c'est un navire que je vais adorer. Et encore un pouette. Ah, dis donc, vous êtes fous, vous êtes les fous du pouette. Cyrose86, merci à toi pour le follow et bienvenue sur la chaîne. Oui, tu veux que je te dise quoi, Zolvac? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qui te ferait envie que je te dise?
Bah, après, il faut vous dire quelque chose. Selon Tanatoy, d'après ce qu'il a dit, je poserai une question sur le Tanak, la question demain sur le Tanakorn, maintenant. Mais, normalement, une fois que... Les 3 mois, c'est juste le temps qu'il faut pour regrind la branche. Enfin, pour reset la branche. Ensuite, vous avez un temps illimité pour obtenir les récompenses de regrind une fois qu'elles sont reset. Je lui demande. Voilà, c'est demandé. Bah après, on sait pas si on pourra reset encore ou pas après les 3 mois. On sait pas combien de temps après on pourra reset. Bon, ça va, niveau précision malgré le nerf, ça, c'est pas si dégueu. C'est un gros tromblon, quoi, en fait. En fait, tu vois, à celui qui demandait pour l'avion de reconnaissance, si je l'avais eu, là, je ne l'ai pas sur ce navire, mais si je l'avais eu... En fait, j'aurais pu le mettre pour viser plus précisément sur le démon. Allez, recule. Non, je l'aurai pas. Ah, ça campe sec, hein, quand même. Ça campe pas mal, là. Par contre, le terrible, je sais pas ce qu'il a foutu. Fantasque est toujours derrière son île. Je sais pas où ils sont passés, les croiseurs, je sais pas, on a... Salut Archspire, comment vas-tu? Bon là je vais arrêter de mongoliser et rester broadside comme ça. Super le Z23, personne n'a focus, on a plus de DD, super.
Eh ben moi ça va bien aussi, écoute. Bon allez, je suis allé... Attends, c'est bon, ils ont les démons. Encore sur moi qui tient. Il est amoureux de moi, la République. Moi je vais faire demi-tour. Je vais aller de l'autre côté, sur B. Traverser la map et je vais aller sur B. Dans B même. Prendre des angles. Ils ont une répu. Ouais, les cuirassés russes sont assez jolis quand même. C'est vrai qu'ils sont, ils sont bien designés, plutôt, plutôt élégants, racés. À partir du tier 9, et, le 9 et le 10, je trouve, sont vraiment magnifiques. Ceux d'en dessous, je trouve qu'ils sont pas assez de super structure, malheureusement. Mais bon, après, c'est que de l'esthétique. J'ai besoin d'aide. Une petite Tita sur la Tago. Petite, elle est une petite. Même pas. Même pas. C'est vrai que le nerf de précision, enfin le nerf de Sigma, on le sent quand même hein, sur Alsace. Capitaine, nouvel abonné en vue à l'horizon. Et merci Arch. Arch, merci à toi pour le l'abonnement. Merci du soutien en tout cas, ça fait super plaisir. Merci à toi. Et moi je vais remonter. Ah, c'est vrai que maintenant c'est vraiment devenu un gros tronçon en Alsace. Le fantasme qui est là. Oh bah, c'est super gentil Arch, merci à toi. Merci à toi. Bah après moi, à 18h, il y a l'expert de l'expert qui arrive aussi. Alors lui, il répondra aux questions, mais avec une précision
que j'aimerais vraiment avoir. Cette personne, c'est évidemment Malimo, le grand, l'unique, irremplaçable. Mais merci beaucoup en tout cas, ça fait super plaisir. Bon, et toi? Tu vas arrêter de faire tes tours. Oh, t'es trop mignon. Et alors, demain matin aussi, je ferai une expérience avec Stargate. Je vais être son cobaye. Lol. Demain matin, donc, je streamerai sur ma chaîne. Il streamera sur la WoZFR et on fera un cross-stream, en fait. C'est-à-dire que vous aurez sur la WoZFR mon stream et le sien, en fait. Vous aurez deux visions. Voilà. Donc ça commencera à 10h. Bon petit gaz. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Vous allez vraiment me faire rougir. Et salut Mako, comment tu vas? Voilà, là, tranquille. Tranquille, on va terminer le boulot, tranquille. Petit Alsace-Stock, ça fait plaisir. Petite gamme en Alsace-Stock. Enfin, j'ai la portée, mais stock de coq. Moi, vous savez, l'Alsace, en fait, j'enlèverais bien l'avion et je lui mettrais bien un reload booster. Merde, je crois que j'ai réinventé le Bourgogne, en fait. Ah, zut, je me suis un peu... J'ai un peu gratté la côte. Boost des moteurs désactivé. Allez, avance. Dans ton turn, on pourrait peut-être te faire un petit quelque chose. Même pas. La victoire est à notre portée. Attention, cible repérée à cette position. Bon, première victoire, ça fait plaisir. Donc je disais, ça va être ma dernière game. Après je laisse la place à Mali. Est-ce qu'il y a un navire que vous voudriez que je joue pour vous? Pour vous en exclusivité. Premier arrivé, premier servi. Évidemment pas des tiers 1, 2, 3, 4, hein, super. On n'est plus des bébés. Plaisir. Un sub. Non, je peux pas les subs. J'aimerais bien, mais je peux pas. Bon. Vous savez quoi? Pour la dernière, on va se faire plaisir, on va jouer le grand frère. Allez, on va jouer le grand frère. Le seul, l'unique, l'inimitable, l'excellent Bourgogne.
Allez, je retiens Werewolf, je ferai un Warspite demain. Ah, on a un petit copain Bourgogne en face. Colbert, déjà. Un petit Colbert. Le boubou, non, c'est comme tous les cuirassés français, ils supportent pas du tout les feux. Il en colle beaucoup, mais il supporte pas de se prendre des feux. Pourquoi ? Parce que t'as un blindage en fait qui est en 32 mm, donc bon, ça n'a rien à voir avec les feux, mais il ne supporte pas le spam HE. Et t'as très peu de PV, 74 000 PV, ce qui est rien du tout. Tu vois, c'est pratiquement à 5000 PV près, c'est autant qu'un tire-pitz. Tu regardes le Montana. Oh, un confort avec plus de PV, GG. Ça, c'était gratuit. Tu vois, le Montana, il en a 96 000, j'en ai 74 000. J'aime pas être focus. Je suis pas fait pour tanker. Et John Doe, je l'ai mis dans mon Salem. Mon Salem pour pouvoir recharger plus vite. Et salut Ray Queen, comment vas-tu? Ne spot pas, ça va être dramatique. On va se mettre en position de kiting. Un feu. Qui répare. Salut le Colbert, comment vas-tu? J'ai un doute, vous pensez que c'est le Colbert qui me tire dessus là? Un petit coup de boost. Oh, je suis trop bien là. Ah, là pour tirer, je suis vachement bien en fait. Je suis vachement bien. Le feu, il va instar et part, évidemment. Le tuyant qui spot pas. Tuyang il fait des ronds dans l'eau. En attendant, je sais pas quoi, la mort. Je sais pas. Ça fait chier.
Bon. Ok. Je suis désolé si je suis un peu sec dans le chat, mais des fois c'est un peu le seul moment de faire réagir, c'est un peu le seul moyen de faire réagir les gens en fait. Pourquoi il va sur B? Quel est l'intérêt d'aller sur B? Quel est l'intérêt là d'aller sur B? Aucun. Il devrait être à ma place, le Yuyang, et il devrait descendre sur le côté. Là, ça pue du cul. À part être idiot, il n'y a aucune explication rationnelle au mouvement qu'il a fait. Je suis désolé, mais c'est vrai. Enfin, sur le fond, il n'y a aucune explication à ce move. Aucune. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va 1v1 à un Cleveland. Bonne grosse partie, bien bloquée, bien fermée. Comme on les aime. Et encore un pouette. Encore un petit pouette qui a pouetté. Hajim Sol, merci à toi pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Et merci du soutien. Intercepter lui Dalloy. Là je suis spot par le jambard. Super. Ah, oh, il était spot un quart de seconde. Personne qui veut le respot, le Colbert. Personne qui peut le respot. L'ennemi est sur le point d'emporter. Tellement dans une situation favorable. Sur le point d'emporter. C'est bon, je suis le minot.
Dommage que j'ai pas eu le commandant, le nouveau commandant spécial, là j'aurais gagné 8% de ma vitesse. C'est-à-dire que sous bouche j'aurais dépassé les 49. Bon. C'est à la HE, ouais. Bien savoir où est le minot en fait. Est-ce que je peux blap le minot ou pas? Ouais, je peux blap. Dommage que j'ai pas eu la dispersion avec moi. Dommage. Qui m'a mis le jambard, ce qui m'a mis. On sait que tu vas vite le Colbert, on sait. On sait que tu ne sens plus le Colbert, on sait. Super idée, non bravo. Allez, viens me rechercher le Colbert. Allez, come here, my friend. Come here. Come, come. Waiting for you. Oh mais ta gueule, qui c'est qui dit ça? Ta gueule, toi t'as juste trouvé le moyen d'aller brawl avec... Ouais, je suis repassé à la hache. C'est cool alors, si ça marche, c'est l'essentiel. Dommage. Dommage, dommage. Ça fait chier de terminer là-dessus, mais bon, après... Après, bon, bah, faut bien l'accepter. Du coup, quel est le bilan ce soir? Pour 3, bon ça va, 6 victoires pour 3 défaites, ça va. Saint-Louis, 218 000, il nous manque. Alsace, énormément. Rune, progresse tranquillou, il nous manque 150 000, 157 000.
157 000 tranquillou. Donc ça, ça va pas prendre non plus trop de temps, j'espère. Et sur l'Ibuki, 120 000. Bon, ça va, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool de chez cool. Bon, en tout cas, mesdames, messieurs, moi, je vais vous laisser pour ce soir. Je laisse l'antenne à Malimo qui va arriver incessamment sous peu, normalement. Voilà, donc prenez soin de lui comme vous avez pris soin de moi. En tout cas, je vous fais des gros poutous. Je vous souhaite que des bonnes choses, que du bonheur. Un bon appétit et je vous dis à demain. Même heure, même chaîne. Et merci pour votre soutien. A plus !